Nul besoin de rappeler que nous sommes en pleine deuxième vague de cette pandémie. Chez nous, dans Côte-des-Neiges, le plateau Myland et à Outremont, le nombre de cas demeure extrêmement élevé. Et même en cette période de crise, ce que je voulais partager avec vous, c'est l'espoir. L'espoir dans le travail de nos scientifiques. L'espoir dans un monde meilleur, un monde post-COVID. À l'Université de Montréal, par exemple, j'ai pu annoncer un financement pour un nouveau projet de recherche avec une équipe absolument incroyable. And whether it's the researchers working under the direction of Kate Zinsser at the University of Montreal, or our Prime Minister's recent announcement regarding a made-in-Canada vaccine, investing in our country's capacity to produce our own vaccines with our own scientists. There is reason to hope for the future, Mr. Speaker, and our government is investing in that very future. I find hope in this, and I hope that Canadians do too.